Yo les gens, c'est Nickel Arsène et Fermanga, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc ça va pas être une nouvelle vidéo comme les autres. De toute façon, vous l'avez vu le titre de cette vidéo. Donc ça va être de retour sur YouTube. Et oui les amis, voilà, de retour sur ma chaîne YouTube. Enfin, je sais vers certains ou certaines personnes que je vous ai beaucoup manqué. Je m'excuse au fond du cœur, mais c'était une bonne raison. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire de A jusqu'à Z. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez bien sur ma dernière vidéo, la vidéo de bonne année. Donc si vous n'avez pas vu, je mets dans la description et même dans les commentaires, cette vidéo, vraiment, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo par rapport à la, cette vidéo, tout simplement, est marquée bonne année. Je vous ai dit, par rapport à les futurs de ma chaîne YouTube, que j'allais un petit peu changer ma chaîne, que plus tard, je vais un petit peu orienter vers des autres animés, que j'allais poster sur ma chaîne principale, Nickel Arsène et Fermanga. J'allais un petit peu changer de contenu par rapport à du City Hunter, j'allais faire des autres animés, et que j'allais poster des épisodes, tout et tout, et même peut-être plus tard, que j'allais créer une chaîne Twitch. Alors retenez bien Twitch. Vous allez voir par la suite vers la vidéo, vous allez voir que ça va être insane. Je vous dis pas, je vous, comment dire, je vous dis pas plus. Il y a la vidéo qu'elle parle. Donc les amis, par rapport à les animés, oui, je vais toujours poster des autres animés en dehors du City Hunter vers ma chaîne principale. Mais c'est qu'il y a un petit souci, c'est que en fait, je suis souvenu après le montage de cette vidéo et que en fait, YouTube, vous savez bien, YouTube, hein, c'est pas mon ami parce que en fait, il me met, on va dire, des bâtons dans les roues, mais c'est normal parce que en fait, quand je poste des épisodes en entier, bah en fait, je me prends des droits d'auteur, des avertissements. En gros, je peux avoir des petits soucis par YouTube. Donc, ça veut dire que je ne peux pas poster un épisode. L'épisode entier, je ne peux pas le poster. Mais je peux faire, on va dire, si vous voulez, des coupures de 1 minute, 2 minutes. Mais vous inquiétez pas, vous allez dire, ah, oh, ça va être chiant, ça va être trop long. Non, vous inquiétez pas, ça va pas être chiant. Je vais prendre par exemple Détective Conan. Je vais prendre la meilleure scène de Détective Conan de 1 minute, 2 minutes maximum que je peux prendre. Je le mets sur ma chaîne YouTube et vous allez voir que ça va être vraiment gay, ça va être marrant. Parce que je vais vous demander à chaque communauté, parce que sur ma chaîne YouTube, voilà, il y a une communauté. Je vais faire un petit tweet, un petit message à vous dire quel animé que voulez-vous que je poste sur la chaîne vers une petite scène. Là, quand il y aura plus de commentaires vers le petit sondage, il y aura plus de likes ou commentaires vers la personne qui a dit ouais, Détective Conan, je vais prendre cette personne-là et tac, je vais faire des petites scènes de 1 minute, 2 minutes. Voilà. Ça peut être assez sympa. Donc, bien sûr, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, ça va pas tomber à l'eau. Donc, voilà. Par rapport à les animés, par rapport à ma chaîne YouTube, voilà. Ça, c'est clos. On est sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Mais il y a juste un petit détail. Je vous ai dit au début de la vidéo, retenez Twitch. Les amis, vraiment, je suis content. C'est quand même, c'est une délivrance. C'est que j'ai créé ma chaîne Twitch. Et oui, les amis, j'ai créé ma chaîne Twitch. Ça va faire 2-3 jours. Voilà pourquoi je vous ai pas dit, parce que je configurais ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitch, je mets dans la description ou soit dans les commentaires. Vous pouvez choisir un des deux. Elle s'appelle Nikki Off. Donc, voilà, c'est tout collé. Donc, pourquoi j'ai créé une chaîne Twitch? Je suis renseigné par rapport à Twitch. C'est que, en fait, Twitch, il me met pas des bâtons dans les roues par rapport à des droits d'auteur. C'est que, par exemple, un film d'animé ou un film de City Hunter, je peux regarder en plein live
sur Twitch. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment bien. Et même des épisodes, vraiment, ça va être gay, ça va être vraiment marrant. Donc, suivez-moi sur Twitch, je vais être vraiment actif. Je vais faire 3 lives par semaine. Je vais faire mercredi, vendredi et samedi. Donc 3 lives par semaine. Donc ça va être vraiment gay, ça va être vraiment marrant. Pour l'instant, j'ai posté rien du tout, mais j'ai déjà fait la bannière, le logo. Donc suivez-moi. Après, vous allez dire, ouais, mais Nicky Larson et Fermanga, tu vas abandonner la chaîne Nicky Larson et Fermanga sur ta chaîne YouTube. Non, pas du tout. Mais je vais être un petit peu plus actif sur ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez voir des films, des épisodes d'animés complets, des réactions par rapport à moi en français, je mets dans la disque, allez dans la description, pardon, et suivez-moi sur Twitch. Donc, c'est vraiment important. Donc, voilà. Bon, bah voilà, bah, j'espère que cette vidéo. Ça vous a plu? Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous et commentez. Voilà, vraiment, disez votre opinion par rapport à la chaîne Twitch et par rapport à par rapport à les animés. Donc voilà. Donc au cas où, je répète, vous inquiétez pas, je mets pas sur le côté la chaîne Nicky Larson et Fermanga, mais si je fais une petite comparaison entre ma chaîne YouTube Nicky Larson Fermanga et ma chaîne Twitch Nicky Off, bah le plus je vais être actif, bien sûr, c'est Nicky Off, parce que je vais charbonner les lives, vraiment je vais être actif. Donc voilà. Et donc vous inquiétez pas, je vais être toujours là sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez pourquoi j'ai pris la chaîne Nikki, je vous ai dit que je vais jamais laisser côté, par exemple, peut-être le contenu, je vais laisser côté façon parler Nicky Larson, mais il va avoir toujours le nom Nikki. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Bon bah voilà, moi je vous laisse. C'était Nicky Larson et Fermanga. Portez-vous bien et nous on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo. Allez, sur ce, c'était Nicky Larson et Fermanga. Allez, bye bye.